Coucou à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du live créatif hebdomadaire. Alors je me cherche, je ne suis pas en retard, mais je ne me trouve pas. Alors est-ce que... Ah, voilà, en direct. C'est bon, je me suis trouvée les filles. Alors, bonsoir Pascal, comment ça va Pascal? Bonsoir Marie-Thérèse, ben, ça va bien et toi tes baisses de tension alors? Que se passe-t-il? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir Aurélie, fidèle au poste. Bonsoir Brigitte. Ça va, il y a un moucheron qui m'embête depuis tout à l'heure. T'es pas trop bien, Marie-Thérèse? Oh mince alors. Bah oui, avec tes baisses de tension, c'est normal ça. Faut faire attention, faut peut-être aller chez le médecin. Hein. Bonsoir Stéphanie. Coucou Sandrine, comment ça va? Bonsoir Laetitia. Alors. Est-ce que je suis bien coiffée d'abord? Oui, hein, ça peut aller. Alors, ce soir, nous allons faire Marie-Thérèse. Mardi seulement? Coucou Christelle, coucou Caroline. Coucou Christelle. Coucou Ariel, coucou Martine. Eh bien, ça fait plaisir. Ça va ta jambe, Ariel? Enfin, ton pied, en l'occurrence. Alors, en attendant que vous me répondiez, voici la petite carte que nous allons faire ce soir. Une carte pop-up qui se plie et à fenêtre. Tout doux pour Ariel. Oui, alors j'en viens. Alors, ça va trop vite, ça va trop vite. Bonsoir Sabine. Alors avant ça, j'ai quand même deux, trois petites choses à vous dire comme d'habitude. Il m'énerve ce moucheron, ça, c'est désagréable. Première chose, Phoebe est à sa place, je vous la ferai voir tout à l'heure. Escapade en Ardennes, c'est le week-end prochain. Merci Marie-Thérèse. C'est le week-end prochain, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP. Merci Stéphanie, oh, magnifique, peut-être pas hein, quand même. Donc n'hésitez pas, je crois que Stéphanie, tu viens toi, Escrapade en Ardennes, je crois. Donc, j'y ferai des ateliers samedi 11h, 14h30, 17h, hein, puisque le samedi c'est de 10h à 20h. Bonsoir Jojo. Et le dimanche 11h et 14h. Tu y vas quand, ma belle? T'as vu qu'il y a plein de d'ateliers de d'aquarelle cette année. C'est super! Et puis, la seconde chose dont je voulais vous parler. Coucou Pascal. Toi aussi, tu viens? C'est génial, Christelle. Tu viens quand? Le samedi ou le dimanche? Bonsoir, Karen. Ah, oh, ça fait longtemps, Karen. Ça va bien? Et n'oubliez pas mon calendrier de l'Avent. Voilà, édition 2024. Pour la date limite pour le réserver, tu viens samedi, super. Donc, la date limite pour le réserver, c'est le 30 septembre. Toi aussi, tu viens samedi. Ouais, c'est super. Vous allez voir cette année, vous allez être super ravis. Super contente, les filles. Ça va être un super programme. Donc, bonsoir Frédéric.
Moi, ça va très bien, merci. Alors, ce soir, pour faire cette petite carte, vous avez vu, j'ai fait simple au niveau des infos, hein. Pour faire cette petite carte, je vous avais demandé plusieurs choses. Déjà, je vais vous mettre sur mes mains. Je vous fais voir Phoebe pendant que j'y suis. Coucou Phoebe! Tu dis bonjour? Oui, qui le fait? Tu y seras, Karen? Super, Karine! Qui le fait ce soir avec moi? Non, je ne vais pas vous laisser sur mes mains quand même. Alors attendez que je vois bien. Voilà. Voilà. Je vais y arriver. Et voilà. C'est bon. Ce sera en replay, Caroline, pas de souci. En replay pour Christelle. Bah, tu bosses pas demain, Christelle, pourtant. Laetitia est prête. Super. Stéphanie le fait. Aurélie aussi. Jojo replay. Oh mince, t'as une sciatique, Christelle. Bah, c'est pas cool, hein. Alors, je vous avais demandé plusieurs petites choses. Là, on va faire une carte Pascal en replay. OK. Une carte au ton automnal. Tu m'étonnes que tu as eu mal au cœur. Je vous ai fait bien des tracas. Bonjour Marie. En replay pour Sandrine. Replay pour Marie-Thérèse. Tu sors de la douche. Est-ce que tu vas mieux, Doris? Quatre côtes. En replay pour Karine. Excuse-moi, Karine. Alors, ce que je vous avais demandé, plusieurs petites choses quand même. Je regarde avant. Voilà. Oui, c'est vrai que tu te lèves tôt, Karine, demain. Mais t'es une lève tôt, t'aimes bien. Donc, je vous avais demandé un papier, je vais y arriver, hein, qui fasse 10,5 par 14,8. Oui, ils sont magnifiques, ces papiers, t'as raison. Je vous ai même pas fait voir les papiers, dites donc. Alors, j'ai joué avec l'automne, avec la belle collection Splendeur automnale. Hop, je vous fais voir. Voilà, je vous, hop. Je vous fais voir, hein, il y a toujours le côté. Je vais y arriver. Voilà. Pourquoi? Ah oui, sniff l'automne. Ben oui, toujours l'automne, hein, Marie. Donc, plusieurs papiers comme si c'était peinture lurée, on va dire. Voilà. De jolies choses. Et au dos, vous avez des aplats qui ne sont pas vraiment des aplats. Vous avez des touches de blanc un peu partout. Et donc, et c'est avec ces papiers-là, Splendeur automnale, qui sont superbes, que nous allons jouer ce soir. Alors, un papier, une base de cartes de 10,5 par 14,8. Voilà, c'est ma base de cartes. Un DSP qui fasse, je vous dis dans l'ordre, un 10 par 14,3. Voilà, ce sera pour le devant de ma carte. Un autre morceau de papier uni de 10,5 par 14, par 24,80, pardon. 10,5 par 24,80. Moi, j'ai pris tarte au potiron. J'arrive pas à le remettre, mais c'est pas grave. Donc 10,5 par 24,80, on est d'accord. Un autre DSP qui fasse 10 par 10,4, ok. Du papier fenêtré, des dalles et tout, on va arriver tranquillement à faire notre petite carte. Alors aujourd'hui, puisque j'ai pris la collection Splendeur automnale,
Je vais jouer avec Expression automnale qui est dans le mini-catalogue de septembre à janvier, début janvier, avec ses somptueux dailles. Regardez comme c'est beau. Et puis les tampons, les sets, le set de tampons et les jolies dailles. Et je vous rappelle également que vous avez toujours dans le catalogue annuel cette fois-ci le set de tampons feuilles d'automne avec lequel je vais jouer également et les dailles. Donc vous voyez, c'est un peu mélangé, mais bon. Voilà. Allez, on y va les filles, vous êtes prêtes? Alors tout d'abord, oui, et un papier blanc. J'ai oublié de vous le dire, un papier blanc qui fasse 10 par 14,3. Voilà. 10 par 14,3, c'est pour écrire au dos de votre carte. On y va les filles, c'est parti, vous êtes prêtes? Allez, c'est parti. Alors, on va déjà prendre sa base de cartes qui fait donc 10,5 par 14,8 et on va y coller notre, hop, notre DSP qui fait 10 par 14,3. Pour le moment, aucune difficulté majeure, si ce n'est de coller droit. J'étais peut-être hors champ là, mais comment ça se fait que je suis hors champ? Oh. Voilà. Alors, j'ai le temps, comme c'est de la colle liquide, de bien positionner mon papier, mon DSP. Donc ça va être... Oui, on dirait une photo. Tout à fait, Sandrine. C'est un super papier d'automne. Ah bon, ça ira bien. Voilà. Allez, c'est parti. Je ne mets pas tout de suite mon papier blanc, hein, que je mettrai au dos. Je le collerai tout à l'heure. Oh ben, je peux même le coller tout de suite après tout. Allez, je vais prendre un tampon. Hop, et je vais faire une feuille. Voilà. Pardon, Phoebe, tiens-moi mon tampon, s'il te plaît. Bonsoir, Sylvie. C'est pas grave, Sylvie, il n'y a pas de... Il n'y a pas de retard à avoir. Oui, je ne touche plus. C'est promis. Alors, hop. Et je vais le faire en ocre roussillon. Bonsoir Marie-France. Pas de souci Marie-France. J'ai eu la commande groupée au fait aujourd'hui. Voilà. Hop. Voilà. Oui, bien sûr, Sylvie, pas de souci, ma belle. Attends, j'arrive. Le projet est celui-ci. Kikou copine, comment tu vas? Donc, une carte pop-up qui se plie pour aller dans une... Bisous, ma quatre coutes. Bonne nuit, hein. Qui se plie et qui va dans une enveloppe. Tout simplement une carte pop-up à fenêtre. Alors, maintenant que j'ai fait mon tamponnage, je parle beaucoup ce soir. Ça va très très bien. Moi, ça me va parfaitement, oui même. Le salon approche.
Tout va bien. Merci Sylvie. Hop. Alors attention au sens, hein, si vous avez un sens à votre papier, design, bien sûr. Et vous allez voir que j'ai fait un rappel. Hop. J'ai fait un rappel sur... Alors que je vérifie, oui, c'est bon. Du papier que je vais mettre. Voilà. Au verso, au recto. Pardon. Voilà, on ne touche plus à notre base de cartes. Et on va prendre son papier. C'est là que les choses sérieuses commencent. Hop. Et hop. Et on va prendre son papier qui fait donc 24,8. Je n'ai pas besoin du bras extensible en fait, hein. 24,8 par 10 et demi. Et de chaque côté, en mode paysage, on va faire des plis. On va faire un pli à 1 cm, un pli à 3 cm, donc 1, 3, ensuite 5, 7. 5 et 7. Et on va faire pareil de l'autre côté. 1 centimètre. 3 centimètres. N'hésitez pas à commenter les filles, hein, à dire un petit bonjour quand vous arrivez sur le live. Même si vous ne restez pas, ce que je comprends tout à fait. Alors, 1, 3, 5 et 7 de chaque côté. Vous pouvez également tout à fait, ce n'est pas exclu. Alors, je regarde un truc parce que ça il me paraît un peu grand, mais non, c'est bon. Ouais, c'est même un peu petit. C'est pas grave. Hop! Bonsoir Daniel. Comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Ne marquez pas les plis tout de suite, les filles. D'accord? Parce qu'on va couper. Et alors moi, c'est super ce que j'ai fait. J'ai rangé mes dailles. N'hésitez pas non plus à partager le live. Alors, j'avais pris quelle daille? Il me semble que j'ai pris celui-ci. Voilà. Donc, on va mettre... Hop. Oui, j'ai plus de bracelets, Sandrine, tu ne rêves pas. Donc, on va le centrer. On a nos plis. 1 cm, 3... Bonsoir, Nancy. 1 cm, 3 cm, 5 cm et 7 cm de chaque côté. Comment ça va, Nancy? Et donc, on va venir créer une fenêtre. Alors, pardon, Phoebe. Merci, Daniel. Pardon, Phoebe, là, tu me... Je te pousse, mais je suis bien obligée de te pousser. Mon dail, il fait à peu près 6 cm, Laetitia. Pas plus, parce qu'en fait, il y a ce que vous allez voir après, le petit tube, pardon, le tube, voilà, hop, et là, il commence à se voir un peu, de ce côté-là, il se voyait,
C'est pour ça que j'ai mis les bestiaux de ce côté-là, vous voyez? Donc, il faut faire attention, pas plus de 6 et demi. Et on le positionne, bien sûr, au milieu des plis. Alors, je pense qu'on voit les plis. J'ai amélioré la lumière, je ne sais pas si vous le voyez. Et je vais... T'inquiète pas, Nancy, prends ton temps. Hein. On se dit tu, hein, oui, dans le scrap, on se dit tu, Nancy. Ce que je voulais, c'était un... Hop, pour ne pas que mon die bouge. 6,5, c'est max. Tu peux 6,5, Laetitia. Coucou Catherine, je sais que tu me regardes, Catherine. Tu peux faire un petit coucou si tu veux. C'est pareil, ça fait longtemps, Catherine, qu'on ne s'est vu, enfin qu'on ne s'est parlé. Oui, j'ai changé les lumières. Tout à fait, Sandrine. Tu as l'œil. Voilà. Je mets bien, je positionne ma plaque. Hop. Je mouline. Excuse-moi, Phoebe. Alors, avec Phoebe, franchement, c'est l'enfer sur terre pour scraper. Pourtant, j'ai un grand bureau, les filles, hein, je vous assure. Voilà. J'enlève. Ah, ben voilà, j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. C'est pas grave, les filles. Ben oui, j'ai fait une bêtise. Fallait bien que j'en fasse une. Sinon, je m'appellerais pas Lydie. Avant, il eût fallu que vous mettiez le DSP. Alors, c'est pas grave, je vais tricher. Alors, le 6 cm, c'est parfait, Stéphanie. Je vais tricher et je vais mettre, hop, mon DSP comme ceci. Je vais reprendre, hop. Voilà. Et je vais, avec mon crayon à papier, si je le retrouve dans tout mon bazar room. Eh ben non, je vais pas le retrouver. C'est pas grave en soi. Si je l'ai. C'est pas grave, Stéphanie, t'inquiète. Il faut bien que je fasse des bêtises de temps en temps. Enfin, j'en fais tout le temps, mais bon, sinon c'est ma marque de fabrique. Voilà, j'ai fait, hop. Et je viens du coup. Alors, pardon, Phoebe, recouper en positionnant alors faut que je positionne bien voilà je reprends mon masking tape et hop j'enfourne le tout au nez et à la barbe de Phoebe. Donc, n'hésitez pas à commenter, à partager le live. Moi, ça m'aide dans ma petite entreprise et ça mange pas de pain. Hop! Et voilà! Ni vu ni connu. Et la semaine prochaine,
J'ai une super nouvelle à vous faire. La carte que nous allons faire est une carte un peu particulière, puisque... Voilà, bon, c'est pas grave, c'est un peu... Alors maintenant, il va falloir que je jongle. Ah oui, j'ai pas fait gaffe aussi, c'est pas grave. Allez, je mets le DSP. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que la semaine prochaine, vous aurez un live un peu particulier, puisque la carte que j'ai mise pour le live est une carte totalement inédite que j'ai, on va dire, inventée, entre guillemets. Alors, ouais, c'est pas très très bien centré tout ça, hein. Bon, c'est pas grave, hein. On va dire que c'est mon prototype de ce soir. Voilà. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, les filles, à partager, à commenter, à partager. Et ce qui va me sauver, et c'est pour ça que je vous avais demandé de die, c'est mon petit cercle que vous allez faire avec vos deux die. Le plus petit, hein, pour faire une bordure, le plus petit et le plus grand tout autour. D'accord? Pour faire une jolie bordure de die. Je fais ça, je maquille tranquillement. Hop. Vous pouvez parler, hein? Enfin, parler. Vous pouvez écrire, les filles, entre vous, discuter, n'hésitez pas. C'est le moment ou jamais. Et n'oubliez pas non plus de faire, dès que vous avez fini votre carte, voilà, de faire un post sur le groupe, groupe public, je le précise, c'est Lilou Scrap au pays de Stampin' Up. Oui, t'as raison, Laetitia. Vous pouvez pas parler, sinon vous collez de travers. Voilà. Et on ne voit plus rien. Merci, Laetitia, de m'avoir répondu quand même. Et on va pouvoir coller notre rhodoïde. Alors, j'ai même pas, je vous ai même pas indiqué le nombre, les dimensions du rhodoïde, et je ne trouve plus ma règle que j'avais il y a 2 minutes. Elle est là. Hop. Et je vais faire à peu près, pouf, pouf, pouf. Allez, 9 par 9. Un rhodoïde de 9 par 9, les filles. Neuf par neuf. Ça dépend aussi de votre... Merci Nancy. Ça dépend aussi de votre... la taille de votre rhodoïde dépend de la taille de votre die. Puisque moi, il doit faire 6 ou 6 et demi. Voilà. Donc, je vais le coller. Hop.
Exact, Sandrine. Hop. Ah oui, je vous avais dit aussi que je vous enverrai, je ne sais plus à quelle occasion, mais quelque chose de Stampin' Up. Vous allez me rappeler quelle occasion c'était. À Nancy, Isabelle, Catherine, Sylvie, Marie-Thérèse, Aurélie, Sophie, Stéphanie et Céline. Je dois envoyer à tout ce petit monde des scraps bidules Stampin' Up. Je vous ai dit la semaine dernière que je l'aurais fait la semaine passée. Voilà. Et ça n'a pas été le cas. Voilà pour mon... Ouais. Voilà pour mon début de carte. Tout le monde suit, c'est bon? On va maintenant marquer les plis. On peut, avec son plioir, en os. Oh là, j'allais faire une bêtise, des filles. Tu vas bien, Daniel? Alors, on marque tous ces plis et c'est là où ça se complique un peu. C'est bon pour toi, Laetitia? Super. Je marque mes plis. Comme il faut. Et voilà. J'ai marqué tous mes plis. Daniel, t'es mimi. Et voyez, en fait, ça va faire ça. Ça va faire deux tubes. Donc, on va venir les coller, mais il y a une technique pour les coller. C'est-à-dire que l'on va mettre de la colle uniquement sur le pli d'un centimètre. Si mon dévidoir veut bien se dévider. Voilà. Et voilà. Je plie ensuite au niveau du deuxième pli, le pli de 3 cm. Et je viens replier le tout directement sur mon papier. Alors voyez, il reste vraiment pas grand-chose. Là, il reste vraiment pas grand-chose. Je fais pareil de l'autre côté. Mon dévidoir est un peu brinque-ballant. Oui, moi aussi, j'adore l'automne, Nancy. C'est même très très chouette l'automne. Et je viens coller. Hop. Et voilà. Voilà mon petit, ma petite, pardon, façade de carte. Oui, je vous chanterai un tube à la fin, mon tube. Et alors, bien sûr, cette carte-là n'est pas de moi. C'est d'une américaine qui a été reprise à plusieurs reprises par des Françaises, d'ailleurs. Voyez. Voyez un peu ce que ça va donner pour le moment. Et on va venir coller tout ça. Alors,
Je vais vous indiquer où mettre de la colle. Hop. Donc bien sûr, la colle, elle va aller là. Vous allez me dire, c'est évident. La colle se met là. Voilà. Je ne fais pas de bêtises, non. Donc, je vais mettre. Oh, je peux mettre de la colle, hein. Ouais, je vais mettre de la colle. Qu'est-ce que vous en pensez, colle ou scotch? Colle ou stamping seal? Je préfère colle, hein. Ça va être plus. Ouais, ça va être plus facile. Je mets de la colle. Oh, puis elle a. Pourtant, il fait plus chaud, hein, mais alors là, elle est toute. J'en ai mis une tonne. Colle, oui, t'as raison, Marie-Thérèse. Colle, colle, colle. T'aimes pas le rouleau, Jojo? Bah oui. Oui, tout à fait, Sandrine, avec la colle, on peut ajuster. Alors maintenant, c'est là l'opération délicate. On va plier nos deux papiers comme ceci et on va commencer par coller un bout tout à fait au bord de notre carte. Alors, puisqu'il faut qu'elle se plie. Voilà. Et voilà. Et hop, j'en profite pour coller l'autre morceau. Voilà. Je patiente un peu. Oui, colle ou pas colle, il faut coller. Telle est la question. Et voilà notre petite base de cartes. Notre petite carte, on va dire. Il ne reste plus qu'à la décorer. Alors, est-ce que vous m'avez tout suivi pour le collage? Donc, le collage, on s'aligne sur le bord droit ou gauche, un hein, peu importe, de la carte, en ayant mis de la colle de l'autre côté, et on colle. D'accord? Oui, Marie-Thérèse, ben, j'espère que tu la referas quand tu seras un peu mieux. D'accord? Alors, qu'est-ce que je voulais mettre? Je vais peut-être mettre un peu de chamotte cuivrée. Ça ressemble un peu à ocre roussillon. Voilà. Ma petite étiquette que je mettrai en relief. Ben, elle est facile à faire quand même, Marie-Thérèse. Hop. Et elle a un look assez sympa. Alors, je vais le mettre en relief. Alors, ça, c'est le plus. Hop. Hop. Coucou Brigitte, comment tu vas Brigitte? C'est gentil de passer sur le live. Alors, j'ai peut-être pas pris les bonnes feuilles, mais pourquoi pas, je vais les mettre en fait, ou alors j'en fais d'autres vite fait, bien fait. Phoebe me regarde avec un air. Mais terrible. Alors, je vais peut-être en refaire vite fait, les filles, si vous voulez bien.
Hop, et je vais peut-être plutôt prendre ce dice-là. Voilà. Ça fera plus joli, je pense. Alors, je vous le mets comme ça. Plus joli, je pense, avec peut-être des feuilles à côté. Alors, je vais faire ça. Vous avez 5 minutes, les filles. Hop, je vais prendre mon encre roussillon et un peu, oui, un peu de, voilà. Un peu de tarte au potiron et un peu, hop, et je vais venir mouliner. Oui, 5 minutes ou 5 secondes. Ça va bien, Daniel? On ne voit plus trop sur les addictos, je trouve. Enfin, ceci est une autre question. J'ai rien dit, Daniel. Hop. Allez, je vais en faire deux. Hop. Et hop. Alors, qui c'est qui a une blague pendant que je mouline? Sandrine! T'as pas une blague de derrière les fagots avec ton cahier? Voilà. Ah, j'aurais pu prendre du... J'aurais pu prendre de l'adhésif, mais non, comme ce sera en relief, Lydie, t'as pas besoin d'adhésif. Hop. Je vais en faire une autre. Voilà. De la même couleur. Je mouline, je mouline, je mouline. Oui, c'est tout à fait ça, Daniel. Vous allez pouvoir me regarder par le trou de la lorgnette. Alors, hop. Un peu de tarte au potiron. Et je pense que ce sera bon. Je ne vais pas faire vert, les filles, parce que je trouve que ça jure un peu trop avec le reste. On vit dans les tavernes, c'est-à-dire, Sandrine. Est bleu, blanc et rouge, le drapeau français, Nancy? Non? Un schtroumpf. Un schtroumpf avec un bonnet blanc et le nez rouge. Est-ce que c'est ça? Ah, qui vit dans les tavernes? Sandrine, c'était une blague. Excuse-moi. Ok, je viens de capter. Excuse-moi, Sandrine. Eh ben, je dirais qui vit dans les tavernes. Alors, attends, Nancy, on revient à toi. Hein. Qui vit dans les tavernes? Dans les cavernes, les hommes des... Les hommes préhistoriques, là, les hommes de Néandertal. Non?
Hop, allez, je vais mettre mes petits feuillages comme ceci. Non, c'est pas des hommes de Néandertal, d'accord. Hop. Ça vous laisse le temps de finir, les filles. Les chauves-souris dans les tavernes. Ah bon? Allez, je vais coller tout ça. Et je vais, hop, évidemment, mes estampines dimensionnelles sont au bout. Oui, comme il y a du, c'est bon. Hop. Alors, c'est pas les chauves-souris, c'est ben moi aussi, j'avais compris caverne. Mais non, c'est taverne. Ben les alcooliques. Les alcooliques. Les ours. Hop. Voilà. Je colle mes estampines dimensionnelles. T'as fini, Christelle? Stéphanie, pardon. Et je mettrai mon petit sentiment par ici. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre une photo. Un schtroumpf qui saigne du nez. Effectivement, qu'est-ce qui est bleu, blanc et rouge? C'est un schtroumpf qui saigne du nez. Trop drôle, Nancy. Alors, pour la blague de Sandrine, eh bien, je ne sais pas ce que cela donne. Ah, tu dois coloriser à l'aquarelle, super, t'as pris des... Est-ce que tu as pris... Oui, donne-nous la réponse, Sandrine. Des... Mince. Des ateliers d'aquarelle. Alors, je vais mettre quoi comme bling-bling? Ouais, non. Les hommes de bière. Les footballeurs français. Les hommes de bière. J'ai du mal à capter les hommes de bière. Par rapport à quoi? C'est... Ah ben je vais mettre ça, c'est pas mal ça. Non, tu verras sur place, d'accord. Et est-ce que je mets mes petites feuilles? Alors si je mets pas de violette, oui, j'ai compris taverne, mais les hommes de bière, j'ai du mal. Mais bon, je dois, peut-être que je suis fatiguée, Sandrine. Ben oui, c'est bien que les tavernes vendent de la bière. Mais je saisis pas la nuance, les filles. C'est pas grave. Allez, est-ce que je rajoute les feuilles là?
Oui, non. Oui, des hommes qui boivent de la bière, mais ouais, enfin bref, cherchez pas, c'est voilà quoi. Oui, cherchez pas, c'est moi qui ai du mal. Alors, est-ce que je mets ces feuilles-là? Oui, pour les feuilles, Laetitia. D'accord. Et je vais mettre quelques bling-bling quand même. Hop. Ah, par rapport aux hommes des cavernes, les hommes de bière des tavernes. Oh là 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 là. Effectivement, j'avais tout mal compris. Alors, Marie-Thérèse, tu veux que je laisse comme ça? Oh, j'ai envie de rajouter des feuilles, moi. Les alcoolos Qu'est-ce qu'une manifestation d'aveugle? Alors, on me bipe depuis tout à l'heure une partie de canne. Alors, une partie de canne, d'accord. Oui, Sylvie, t'es d'accord? Eh ben, ça tombe bien parce que je suis d'accord aussi. Ah, merci Stéphanie, c'est gentil, ça me rassure, hein. Et pourquoi pas des bling-bling en bas à droite? J'ai pas fini les bling-bling, Sylvie. Mais ce serait effectivement une bonne idée. Voilà, je vais les mettre comme ça. Ah, vous me rassurez, les filles, quand même. Voilà. Ça manque peut-être un peu de vert par rapport au DSP du bas. Mais bon. Alors, vous voulez des bling-bling ici en bas à droite, si je ne m'abuse. En bas à droite. J'aimerais bien mettre un bling-bling. Ça va faire trop doré celui-là. Du coup, Phoebe, elle en a eu assez. Et elle est partie. Alors, je vous mets. Hop. Pendant que je cherche. Ah ben voilà, les tons de la terre, c'est pas mal ça. Les tons de la terre. En plus, c'est fait pour. T'as fini, Christelle? Super! Est-ce que tu peux, dans le chat, nous envoyer ta photo? La photo de ta carte? Alors, je vais peut-être mettre un petit. Oui, donne-nous la réponse. Ben, c'est pas l'histoire des cannes. Je vais peut-être rester sur sa mode cuivrée. Vas-y, donne-nous la réponse, Sandrine. Au moins ici, si tu veux bien. Hop. Voilà. Si je le faisais à plat, non mais franchement.
Un festival de Cannes. Excellent. Alors, moi, j'en reviens au bling-bling par ici. En bas à droite. Attendez, vous voyez plus rien du coup. Festival, ben oui, festival de Cannes. J'aurais peut-être dû en mettre un plus grand ici. Allez, j'en mets un plus grand. Qui est bien discret. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh mince, on ne peut pas mettre de photos en commentaire sur le live. Oh, c'est dommage. Dommage, dommage, dommage. Eh ben tant pis. Alors, moi, j'ai pas fini, hein, les filles. Je vais en mettre 5. Non, je ne vais pas en mettre 5. Alors attendez, oh là là, ça va vite. J'ai 40 boules, toutes rondes, et j'excite les vieilles dames qui suivent. Le loto! Oui, il faut 3 bling-bling ou 5, Fabienne. Merci beaucoup. Oh. Oh. Eh bien, j'ai un doute. Non, c'est pas ça. Ah, oh, je suis déçu alors. Bon, du coup, j'en mets que 3. Voilà. Merci les filles. 3 de tailles différentes en bas à droite. Ah mais j'en ai déjà mis 3, Sylvie. C'est soit 3, 1, 2, 3, soit 5. Donc je vais pas en mettre que 2 en bas à droite. Bon écoutez, la nuit porte conseil. Je vais, hop, voir un peu. Oui, pas de souci, Christelle. Hop, alors vous voyez que Phoebe est partie. Il y a mon truc à bling-bling. Le bingo, ben oui, le bingo. Alors attendez, parce que là, voilà. Oh, je fais des bêtises. Là là, je fais des bêtises. Voilà. Oh. Et voilà! Voilà cette petite carte. Je suis un peu. Hop. Cette petite carte qui se plie tout simplement. Où on peut écrire au verso. Oui, je casse tout. Mais je t'en prie, Daniel. T'adores la carte, Laetitia? Super, je suis bien contente. N'hésitez pas, même si vous avez deux, trois choses à finir, à le mettre sur le groupe. Je vous souhaite à toutes de gros, gros, gros bisous et je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, peut-être avant si je vous fais des surprises. Et je vous dis à tout bientôt les filles. Bonne soirée à toutes. Bisous, bisous. À bientôt.